comme on nous a dit, bon, on va venir à l'église, c'est tac et tac. Bon, on est maintenant au niveau des cultures, c'est ça que vous avez pensé. C'est ça. Ça. Donc, voilà pourquoi nous on est là, s'il vous plaît. Et ici, une fois, tu peux nous expliquer. Oui, par la grâce de Dieu, la semaine passée, comme on a venu visiter, on n'est pas de français, mais. On a des ciments. Pour ceux qui ont dit non, c'est pas moi qui laisse les ciments pour l'esprit. On va commencer avec le message. Par la grâce de Dieu, on a déjà commencé. On a commencé ici, mais on a déjà, on va continuer de visiter. On a déjà fini de prier les paroles. Donc si je vois très bien ce bâtiment, c'est pour déjà commencer. Non, il y a les autres bâtiments qui sont déjà commencés.
des places pour le tonneau. Le tonneau. Pas mieux de prendre le tonneau ici. L'eau. C'est des places pour le tonneau. Pas mieux de. Les deux pour l'eau. Donc, 4, hein? C'est 4. Pour alimenter. Ça c'est la banque chômage de travaux de l'église internationale des temps de Dieu en train d'effectuer ici. Donc, on peut un peu le résumer. Comment le travail était, à quel niveau le travail a déjà été avancé, sur quel niveau. Donc là, c'est juste la devanture de l'église. Là, c'est le temple de Dieu. Donc, un peu les vidéos pour montrer avec effet l'avancement du travail. Ils ont fini de découvrir les parapets. Donc, les sorties des bétons qui va soutenir la toiture. Donc après, on va aller un peu en hauteur, pour filmer un peu avec une réalité de, au niveau des travaux, ce qu'on a pu effectuer. Ça, c'est la devanture de l'église centrale de temps de Dieu. Donc, là, c'est la devanture, ça, ce sont les arrières. Encore monter un peu en hauteur. Merci. Au niveau des
les crépsages, ils ont déjà quand même beaucoup avancé. Là, ce sont les crépsages qu'ils ont essayé de peinturer pour pouvoir épuiser le ciment qui était là. Parce que selon ce que l'ingénieur a dit que non, c'est un ciment qu'on a déjà mis un peu de temps. Il fallait qu'on puisse l'utiliser pour ne pas qu'il puisse avoir un gaspillage de ciment. Donc, l'ingénieur qui s'occupe de ce bâtiment, le frère James, a suggéré à orienter ses équipes de pouvoir de commander, d'entamer le crépissage avant que le bateau qui amène la tôle puisse arriver. Donc ce sont une décision que l'ingénieur a pris, et on prie que Dieu puisse continuer d'aider dans ce sens. Ça c'est le parapète de la hauteur définitive qui va contenir la toiture, l'instruction de la tôlerie. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bon. C'est juste un modèle qui fait en sorte que, à travers ça fait partie aussi des plafonds extérieurs. Donc à travers ça, il y a plus des plafonds l'extérieur, parce que lui, il fait deux jours en même temps. Ils sont des décorations en même temps, la sortie des qui fait en sorte qu'on puisse plus encore employer encore la toiture, le plafond extérieur. Donc pour l'avantage, vous pouvez regarder à travers cette image que la structure des parapètes est déjà complètement finie. Elle est complètement finie. Donc, comme on dit, avec les mains, j'en appuie pour dire que c'est fini. Le travail avance avec une rapidité inimaginable. Donc on remercie Dieu, ce que Dieu fait dans cette église, et comment Dieu utilise les hommes de Dieu d'une manière surnaturelle pour amener à l'instant le fait qu'il n'existe pas tout l'argent spirituel, physique, matériel. Tu sais que cette église a besoin, puisque c'est la maison de Dieu. Et Dieu, comme il est vivant, il essaie de faire des merveilles. Donc, tout ce qu'on fait, on lui fait que toute la gloire. Et depuis que cette chantier a commencé, avec un témoignage vivant, on a réussi aucun accident. Ça démontre encore que Dieu est avec nous. Bon, que soyez bénis, vous qui regardez. Au nom de Jésus, amen. Nos contacts sont les suivants. Vous avez le 066 65 02 61. Vous avez le 077 75 60 74. Vous avez le 076 32 96 06. Nous avons aussi une adresse mail sur laquelle vous pouvez aussi nous joindre facilement. Ce sera le JCL. Global Construction, Global 100E, @gmail.com. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site web au nom de www.jclglobalconstruction, toujours global100e.org. Donc je reprends, le www.jclglobalconstruction.org, tout en une phrase. Merci. God.
Mod's Kid on the tune.